l'idée de ce travail, c'était de montrer un peu la diversité des humanités. Parce qu'en fait, donc, j'ai rencontré une quinzaine de personnes jusqu'à maintenant qui m'ont raconté leur parcours d'identité quelque part. Et l'idée, c'est que ça serve à quelque chose. Donc, c'est de créer une discussion autour de l'œuvre, de la faire tourner, et puis de produire des ateliers dans lesquels on pourrait discuter de ces questions d'identité, de mémoire, d'intergénération, de transmission entre parents et enfants. C'est une installation donc qui parle à la fois de passage, de migration, d'identité dans tous les sens du terme, pour parler du hors frontière, du fait de se rencontrer, du vivre ensemble. Ça a le mérite d'être sur une ouverture et sur des échanges, des rencontres, et sur le fait que chacun puisse s'exprimer sur sa propre identité, sur ses propres passages, sur sa propre mémoire, ses propres origines. C'est très intéressant parce qu'on reprend toute la base culturelle, toute l'origine de la personne et qu'elle puisse se positionner par rapport à qui elle est et être reconnue dans une entité. Et ça, je trouve que c'est essentiel pour une reconnaissance de la personne. Les gens qui sont dessinés là sont des gens que je rencontre et qui me racontent des histoires. Parce qu'en fait, toute la bande-son de l'installation raconte leur histoire de façon assez intime, et de les placer comme ça derrière un masque d'anonymat, quelque part, je trouvais ça assez amusant. On les connaît et en même temps, on ne connaît pas leurs yeux, quoi. J'essaye de trouver une espèce de poésie, que l'image vidéo ne soit pas trop présente, mais qu'elle habille une feuille de papier sur laquelle il y a un dessin et qu'il y ait des dialogues comme ça qui se créent entre une vidéo et son support, quoi. Ce travail s'inscrit aussi dans un projet plus large qui s'appelle Les Étoileurs et qui est un collectif d'espaces multimédia et d'artistes numériques avec lesquels on travaille à la fois pour présenter leur création, leur installation, mais aussi pour travailler avec les publics pour faire la rencontre artistes, publics et lieux et territoires. Une des dimensions qui est intéressante dans ce réseau, c'est le rapport avec le public qu'on peut entretenir dans ces structures, c'est-à-dire qu'on présente ici une œuvre pour laquelle j'ai rencontré des gens qui fréquentent ce lieu. Ils m'ont raconté leurs histoires. Maintenant, je viens leur montrer une œuvre et ça va enclencher des ateliers derrière. Donc, il y a vraiment un travail qui est intéressant pour nous, artistes, quoi.